Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue à tous pour écouter aujourd'hui Morgane qui va nous parler de l'association La Cloche. Ce webinaire est organisé par la Cité de la RSE et de l'Impact. Je suis Hélène Denison, consultante Oikos Impact. Oikos Impact, c'est un programme d'accompagnement des entreprises à la performance durable et globale. Je vais donc laisser la parole à Morgane qui va pouvoir se présenter, mais également présenter l'association et ses actions. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup du coup Hélène pour l'invitation et l'opportunité de pouvoir présenter l'association La Cloche Occitanie. Je suis ravie de pouvoir faire cette présentation aujourd'hui. Avant de commencer de vous présenter l'association de manière plus institutionnelle et habituelle, je vous propose qu'on puisse regarder une petite vidéo qui dure 2 minutes, qui s'appelle du coup Casting Paul. Alors, on cherche vraiment le vrai visage de la rue, tu vois. On veut surtout pas d'un comédien pour que ça soit hyper réaliste. Tes fringues, là, par exemple, c'est dommage. Fallait pas arriver déguisé, tout propre, tout rasé, quoi. Au contraire, on te veut vraiment dans ton jus. Bon, bah, au moins, toi, t'as une barbe, ça, c'est bien. Mais elle fonctionne pas vraiment, la sienne. Elle est hyper gros, lui, non? Pour un mec qui mange pas tous les jours, c'est pas hyper crédible. Tu vas nous dire le petit texte de présentation qu'on vous a écrit. Et surtout, n'aie pas peur d'être toi-même. Si tu veux nous insulter, te foutre à poil, vas-y à fond. Je m'appelle Paul, j'ai 24 ans. 24 ans, c'est beaucoup trop jeune pour être à la rue. Dis que t'as 60. On y va. Je me présente, je m'appelle Paul, j'ai 60 ans. Et je suis sans abri. Attends, excuse-moi. Moins souriant ton « je suis sans abri » là. C'est hyper bizarre, on dirait que tu nous annonces une bonne nouvelle. Je m'appelle Paul. Plus vite, re le regard. Je m'appelle Paul, je suis sans abri, j'étais avocat en Algérie. Non, reste vraiment sur le texte, invente pas. Sers-toi de ta vie. T'es dans la merde, t'as pas de travail. Si, j'ai un travail. Bah, t'es pas sans abri alors. Merci. Je me présente, je m'appelle Paul, j'ai 60 ans, je suis sans abri, je dors sous un pont et je fais la manche. Je m'appelle Paul, je suis sans abri. Excuse-moi 2 secondes, tu voudrais pas essayer de nous faire le mec bourré? Non. Mais c'est tout, y a pas d'autre chose, c'est juste ça votre présentation? Bah oui, tu voudrais qu'on rajoute quoi? Je me présente, je m'appelle Giovanni, j'ai 24 ans. Je m'appelle Yes, j'ai 48 ans. Je m'appelle Bruno, j'ai 57 ans. Je suis un enfant de la DAS, je suis à la rue depuis mes 18 ans. Je veux devenir entrepreneur social. J'étais avocat en Algérie. Je suis sans abri depuis janvier 2018. Je suis fonctionnaire sans abri depuis 2015. J'aime la nature, la mode, la cuisine, le chant, le karaoké. Le cinéma, la boxe. Et surtout mon petit copain que j'adore à la folie. Les voyages. Derrière chaque pôle que vous croisez, il y a une personnalité, des passions, un passé et un avenir. Changer de regard, on peut tous le faire et ainsi participer à notre échelle de citoyens, à lutter contre la grande exclusion. Rendez-vous sur lacloche.org pour agir à nos côtés. Voilà, donc c'était une petite introduction à... Super, Sophie. Ouais. C'est vrai que, du coup, moi, j'aime beaucoup pouvoir présenter cette vidéo-là en introduction parce qu'on a tous des préjugés, on a tous des clichés sur les personnes à la rue et une, justement, des missions fortes de l'association La Cloche, c'est de permettre de pouvoir changer le regard sur le monde de la rue et aller au-delà de ces préjugés. Et c'est vraiment l'objectif de l'association de pouvoir porter des messages positifs sur des situations qui peuvent être très compliquées. Et l'idée, c'est toujours de mettre en œuvre des projets, des actions qui permettent d'avoir une approche positive et pas misérabiliste par rapport à la situation des personnes sans domicile. L'association, elle a été lancée en 2014, du coup, en partant justement du constat de l'isolement des personnes sans domicile, l'isolement dont elles pouvaient souffrir, mais également du souhait de certains citoyens, citoyennes, de vouloir agir pour lutter contre l'exclusion, le sentiment, la grande précarité. Et du coup, le fondateur de l'association a créé La Cloche à ce moment-là pour dire, ben voilà, permettre à chacun et à chacune de pouvoir s'engager, avoir des modalités d'action qui parlent un petit peu à tout le monde. Et en partant aussi de l'idée que de s'informer, c'est déjà une première porte, un premier moyen d'agir.
Donc aujourd'hui, l'association La Cloche est présente dans 8 villes en France et à Toulouse depuis fin 2018. Il y a eu un lancement un peu plus officiel en février 2019. Donc à Toulouse, du coup, l'équipe, on reste encore sur une petite équipe. Donc moi, je suis donc Morgane, donc je suis la directrice de l'association et je travaille avec une coordinatrice terrain qui coordonne les différents projets que nous portons, que je vous détaillerai un petit peu tout à l'heure. On travaille également avec des volontaires en service civique, donc des jeunes de 18 à 26 ans qui s'engagent sur une période auprès de l'association pour découvrir le monde associatif, l'engagement et pouvoir aussi travailler leur parcours professionnel. Et on travaille avec une équipe donc, de 24 bénévoles, dont des personnes sans domicile. Et nous avons eu l'Assemblée générale en visioconférence là, il y a quelques semaines avec tous les bénévoles de toute la France. Donc, ça a été vraiment un moment très fort et de pouvoir se rencontrer sur les différentes villes. Et certains de nos bénévoles ont pu glaner quelques idées d'action pour l'antenne toulousaine. On a une permanence, c'est vraiment le moment d'accueil, qui s'appelle donc le repère, tous les jeudis après-midi. Donc c'est à ce moment-là qu'on accueille les personnes sans domicile sur un accueil inconditionnel. On leur propose de quoi boire un petit café, un petit thé, s'informer sur le réseau du Carillon, s'informer sur les activités de l'association. Donc le projet du Carillon, c'est vraiment le projet phare de l'association La Cloche. L'association a commencé en développant ce projet-là avec l'idée, donc on est resté sur la thématique donc, de la cloche avec plusieurs cloches qui résonnent et l'idée de pouvoir en fait mobiliser différentes personnes pour la solidarité des personnes sans domicile. Et, donc le Carillon, c'est un réseau de commerçants solidaires et volontaires qui souhaitent du coup proposer des petits services gratuits aux personnes sans domicile ou bien des produits en attente. Donc, les produits peuvent être à la fois offerts par le commerce. Une commerçante peut décider d'offrir une coupe de cheveux, par exemple, par mois ou 5 cafés par mois pour les personnes sans domicile. Et les commerçants aussi ont la possibilité de proposer à leurs clients de prépayer, que ce soit un café en attente, un repas, un petit encas. Depuis quelques jours, on a une boulangerie qui va proposer des viennoiseries en attente, par exemple. Donc le réseau du Carillon, les personnes sans domicile peuvent identifier du coup les commerçants qui font partie du réseau grâce au petit logo que vous avez là sur la présentation qui est collé sur leur vitrine. Et nous avons également du coup une liste que nous éditons, alors normalement c'est toutes les saisons, donc vous dire qu'il nous en reste un petit peu de la saison automne, mais une liste qu'on met à jour régulièrement qui permet de répertorier du coup tous les commerçants qui font partie du réseau. Donc voilà, ça se présente assez simplement avec l'adresse du commerçant et les différents services qu'il propose. Donc aujourd'hui à Toulouse, 52 commerçants, comme vous pouvez le voir avec sur la carte, une forte présence de commerçants sur Saint-Cyprien, ça a été le premier quartier que nous avons lancé en février 2019, qui a permis de lancer vraiment l'association à Toulouse. Et depuis, donc, on essaye d'avoir un développement du Carillon plutôt par quartier. Donc, le deuxième quartier a été le quartier de Saint-Aubin et ensuite le quartier Concorde, Bayard, Jeanne d'Arc, de manière globale. Mais nous sommes aussi sollicités par des commerçants de manière spontanée qui souhaitent du coup intégrer le réseau du Carillon, ce qui fait que nous avons aussi des petits commerçants qui sont un peu plus éloignés des quartiers principaux. Voilà, donc aujourd'hui pour l'antenne de Toulouse, les prochains quartiers sur lesquels nous allons nous développer, ça va être le quartier Capitole et le quartier de Bonnefoy. On a vraiment une typologie très différente de commerçants qui font partie du réseau. Ça passe d'une épicerie vrac en passant par une fleuriste, un cordonnier, des cafés, des bars. Donc l'idée, c'est vraiment, il y a vraiment
quelque chose de complémentaire aussi au sein même du réseau du Carillon, parce que certains commerces vont être ouverts plutôt le matin, d'autres plutôt l'après-midi. Donc, ça permet vraiment d'avoir des lieux pour accueillir les personnes sans domicile un petit peu à tout moment de la journée. Et de manière régulière, quand c'est possible, on organise du coup des événements chez les commerçants. Donc, ça peut prendre différentes formes, des petites formes d'après-midi jeux de manière assez simple et des événements un petit peu plus forts pour l'association, comme l'anniversaire de l'association ou bien des apérus, donc apéros dans la rue qu'on organise soit pour fêter la fin d'année en juin ou pour célébrer la rentrée en septembre. Donc, c'est vraiment le projet phare de l'association. Dans chaque antenne où la cloche est présente, le projet du Carillon est présent. Le deuxième projet porté par l'association, c'est le projet des clochettes, donc des initiatives urbaines inclusives. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler avec différents types de structures. Ça peut être des structures municipales, ça peut être des collectifs d'habitants, ça peut être des associations, des centres sociaux qui ont envie de mettre en place des actions, des ateliers avec les personnes sans domicile. Donc l'idée, c'est de pouvoir se retrouver sur des ateliers de bricolage, de jardinage, voilà, de pouvoir faire ensemble et se retrouver sur d'autres temps et passer un moment convivial. Ça peut prendre aussi des formes vraiment très différentes. Le projet des clochettes, ça peut être des initiatives qui ont vraiment une régularité avec un atelier jardinage, par exemple, tous les derniers dimanches du mois, ou bien des ateliers beaucoup plus ponctuels sur une période un petit peu de chantier sur un mois, par exemple, ou sur deux semaines avec différents partenaires. Voilà, donc c'est un projet qui souffre aussi de la crise sanitaire. On a pu l'expérimenter en 2019 au niveau du jardin d'Ambarthe à Arnaud Bernard. Et voilà, et depuis, du coup, au mois de mars, on aurait dû pouvoir expérimenter de nouveaux ateliers. On n'a pas eu l'occasion de le faire, mais ça reste un projet qu'on souhaite développer ici à Toulouse. Et on a eu l'occasion, là, sur ce début d'année, de pouvoir travailler avec des étudiants de sciences politiques pour avoir un regard aussi, justement, un peu différent sur ce projet et nous permettre de continuer à le développer. Donc, voilà, donc c'est vraiment les deux projets phares de l'association qui permettent à la fois de pouvoir recréer du lien social entre voisins avec et sans domicile, de pouvoir, passer des temps conviviaux ensemble. Et l'association, comme je vous le disais tout à l'heure et comme vous avez pu le voir avec la petite vidéo, a aussi pour objectif de pouvoir sensibiliser au monde de la rue et de pouvoir faire évoluer les représentations sur le monde de la rue. Donc, on organise également des interventions en milieu scolaire. C'est le cas en ce moment avec le collège, les collèges avec le soutien du parcours laïque et citoyen du conseil départemental de la Haute-Garonne, on a la possibilité du coup d'intervenir dans certaines classes de collège pour sensibiliser les élèves du coup au monde de la rue. Voilà un petit peu pour la présentation un peu générale de l'association La Cloche. Je ne sais pas s'il y a des questions en particulier sur certains projets ou sur l'organisation de l'association. Alors moi déjà, j'ai une question. Oui. Je me dis, je suis chef d'entreprise, c'est un sujet qui me tient à cœur. Hein, voilà, je ne suis pas un commerçant. Voilà, donc j'ai un cœur d'activité qui ne me permet pas, voilà, comme ça, de contribuer à première vue. Qu'est-ce que je peux faire quand même? Qu'est-ce que je peux faire dans mon entreprise? Parce que c'est un sujet qui me semble de société, qui me semble primordial, mais en même temps, voilà, je peux pas. Moi, j'ai pas d'accueil de public, donc j'ai pas de service a priori à proposer. Donc, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, quoi? Mais ça va être justement la deuxième partie du coup de ma présentation, de pouvoir vous présenter les différentes possibilités d'action qu'on peut avoir du coup avec les entreprises, parce qu'elles sont il y a différentes possibilités. Pour nous, il y a vraiment le souhait de travailler
de travailler vraiment individuellement avec les entreprises et de pouvoir apporter quelque chose qui correspond à la fois aux attentes de l'entreprise, des collaborateurs, des collaboratrices, pour que ça puisse être adapté. Mais donc voilà, donc je vais vous présenter. Parfait. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions à part celle-là avant que je continue. A priori, on peut continuer. Super. Donc voilà, donc au niveau du coup des partenariats entreprises avec l'association La Cloche, on peut avoir deux types de partenariats, donc un partenariat plus autour du mécénat et un partenariat plus autour des prestations entreprises, avec toujours l'idée de pouvoir permettre à l'entreprise et aux collaborateurs et collaboratrices de s'engager dans la lutte contre l'exclusion avec des formats un petit peu clés en main que je vais vous détailler. Je refais un petit parallèle un petit peu là sur le projet du Carillon. Quand on va rencontrer les commerçants pour savoir s'ils sont intéressés pour faire partie du réseau du Carillon, on se rend compte que pour beaucoup de commerçants, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà en tête, qu'ils portent dans leurs valeurs, et c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place dans leur commerce, parce que c'est un logo à coller, et donc on se rend compte que ça répond aussi vraiment à un souhait des commerçants et des commerçantes de pouvoir agir dans la lutte contre l'exclusion. Donc, je vais vous parler plutôt du coup là du mécénat de manière assez globale, hein. Mais l'idée, c'est de pouvoir, en fonction des souhaits de l'entreprise, de pouvoir travailler un parrainage du coup local qui peut prendre différentes formes. Ça peut être du coup de pouvoir inviter les collaborateurs, les collaboratrices à un moment, un événement phare, un temps fort de l'association. Ça peut être également de les mobiliser. Là, on est sur le mois de décembre, sur les périodes des fêtes, de pouvoir réaliser un calendrier de l'Avent inversé, par exemple, ou de pouvoir voilà, mobiliser les salariés autour du sujet de la lutte contre l'exclusion. Et voilà, et un parrainage du coup qui est vraiment adapté en fonction des besoins et des envies. Donc aujourd'hui sur les entreprises qui sont déjà partenaires avec l'association La Cloche, donc au niveau national on a l'entreprise donc du Bon Coin, et au niveau local on a été du coup sélectionné par la nouvelle marque Monbon Bio, qui a du coup a choisi de pouvoir reverser un don cette année à une association. Et donc, La Cloche a été sélectionnée. Donc, voilà de manière assez globale sur le mécénat. Concernant les prestations, du coup, là, c'est un peu plus détaillé. Les prestations, l'idée, voilà, comme ça, c'est écrit sur la présentation, on a différents types de modules qu'on peut proposer qui permettent à la fois de comprendre, comme je le disais tout à l'heure en introduction, le fait de s'informer sur le monde de la rue, c'est déjà un premier moyen d'action. Et on se rend compte aujourd'hui que on n'a pas forcément toutes les informations sur le monde de la rue. Y a des clichés qui restent assez forts. Aujourd'hui, oui, on peut travailler et être quand même sans domicile et de pouvoir aussi s'informer sur la notion même de être sans domicile. Qu'est-ce que ça signifie être sans domicile? En effet, ça peut être vivre à la rue, mais ça peut être aussi vivre en centre d'hébergement avec toutes les contraintes que ça peut aussi demander sur le fait de devoir ressolliciter aussi une place en hébergement tous les jours. C'est très rare qu'on puisse avoir une place sur une période longue. Donc voilà, donc c'est vraiment de pouvoir comprendre et aussi découvrir le monde de la rue. Donc les modules, les interventions qu'on propose sont toujours co-animées avec une personne qui a eu ou qui a un parcours de rue. Donc c'est aussi nous un travail qu'on fait du coup avec nos bénévoles. Donc c'est la plupart du temps les personnes qui interviennent, c'est les bénévoles de l'association. Donc de pouvoir aussi travailler avec eux. Le fait d'arriver à s'exprimer aussi devant une classe, devant un groupe, de pouvoir aussi témoigner de son expérience. Donc, c'est du temps qu'on prend à préparer ces interventions avec eux ou avec elles, voilà, pour que ça puisse être aussi ludique et participatif.
Donc là, vous allez voir du coup quelques exemples de modules qu'on peut proposer. Le module un peu de base, c'est la forme action. La forme action, c'est vraiment de pouvoir découvrir le monde de la rue avec quelques informations sur des chiffres à la fois nationaux, mais aussi de manière plus locale sur combien de personnes sont domicile, combien de femmes sont sans domicile, combien de personnes ont un travail. Et ensuite, on va sur un volet beaucoup plus dans l'action sur voilà, comment aller vers les personnes sans domicile avec des scénettes du coup, qui permettent de se mettre en situation et du coup de pouvoir échanger aussi avec les participants et les participantes, peut-être aussi sur des situations qu'ils ont pu vivre et de pouvoir échanger du coup avec l'équipe, avec les animateurs par rapport à ces différentes situations et pouvoir repartir un petit peu plus confiant et outillé sur le fait d'aller vers les personnes sans domicile. Notre module qui est vraiment différent, mais qui est aussi dans l'action, mais beaucoup plus concrète, c'est Adopte un commerçant. Adopte un commerçant, donc pour trouver les 52 commerçants du Carillon, il faut aller les voir. Donc, c'est de pouvoir organiser du coup des sessions de sensibilisation de commerçants. Donc, il y a toute une partie de formation, d'explication du réseau du Carillon, parce que aller rencontrer des commerçants en fonction du bagou qu'on a, c'est plus ou moins facile. Mais en tout cas, voilà, pour pouvoir présenter l'association et pouvoir peut-être potentiellement recruter ou intégrer de nouveaux commerçants au réseau du Carillon à Toulouse. Et un autre module d'action, beaucoup plus encore plus concret, c'est de pouvoir participer du coup à des tournées de rue du coup avec l'équipe de La Cloche Toulouse pour aller voir directement les personnes sans domicile. Voilà, un petit peu sur les modules. Comme je disais tout à l'heure, c'est les modules un peu de base. Ensuite, en fonction de ce qui de ce qu'on souhaite travailler, de l'envie aussi de s'engager sur ce sujet-là, sur cette problématique-là, on va avoir des modules de formation beaucoup plus précis sur toute la question de la désocialisation, par exemple, des personnes sans domicile. Donc voilà, en fonction des envies, on peut décliner vraiment les formations à différents niveaux. Mais c'est vrai que la première formation qu'on propose, c'est vraiment comment aller vers, parce que pour nous, c'est celle qui nous paraît le plus important. Donc voilà. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez peut-être des exemples pour illustrer un peu voilà, de choses qui ont pu être mises en place dans certaines entreprises ou... Oui, du coup, alors à Toulouse aujourd'hui, c'est encore en cours, mais on a pu organiser en décembre dernier des collectes auprès de collaborateurs et collaboratrices de deux entreprises toulousaines. Et sinon, dans les autres villes en France, il y a les formes actions du coup qui sont proposées. Là, je fais le parallèle sur la question du micro-don. Pour certaines entreprises, il y a aussi la possibilité de pouvoir proposer du micro-don. Ça peut être à la fois sur le salaire du coup, des collaborateurs et des collaboratrices, de pouvoir arrondir pour l'association. Mais ça peut être aussi sur si l'entreprise fait de la vente de produits en ligne ou vend... un site de commerce, ça peut être du coup d'arrondir, de dire par exemple qu'il y a 50 centimes en plus arrondis pour l'association La Cloche. Nous, sur ce modèle-là du coup de micro-don, on travaille avec le bikini qui se trouve du coup à Ramonville, bon, qui subit évidemment les effets de la crise, mais qui a quand même maintenu la présence du micro-don sur toute l'année. Donc, on a hâte de pouvoir formaliser ce partenariat-là en live, mais voilà, il y a aussi ces possibilités-là. Ok. Donc voilà, pour conclure,
voilà, les prestations vont pouvoir permettre de fédérer les collaborateurs et collaboratrices autour d'une action qui a du sens et qui peut motiver les personnes à agir. Nous, on s'est rendu compte au niveau de l'association La Cloche que depuis le premier confinement, on a eu beaucoup plus de sollicitations de personnes de pouvoir agir avec nous, alors que ce soit en devenant bénévole ou bien en contribuant de manière un peu plus ponctuelle. Mais on a vraiment noté du coup une augmentation d'envie de pouvoir agir. L'association La Cloche a travaillé avec Make Sense sur un programme qui s'appelle Réaction, qui a été lancé dès le premier confinement, qui a permis du coup de pouvoir mobiliser des citoyens et des citoyennes sur une semaine, et maintenant c'est sur 2 semaines, pour pouvoir récolter et créer du coup des kits d'hygiène pour les personnes sans domicile. Donc c'est un programme voilà, qui a beaucoup fonctionné au premier confinement, qui fonctionne toujours, toujours actuellement et qui va avoir une petite note de Noël sur la fin du mois de décembre. Et voilà, donc sur les prestations, on est également sur des actions vraiment de proximité, comme je vous disais tout à l'heure sur l'action Adopte un commerçant. C'est vraiment de pouvoir se mobiliser sur un nouveau quartier ou sur un quartier actuel, parce qu'on n'a pas forcément vu tous les commerces. Ça peut être ce type d'action. Je fais encore une petite, j'ouvre de nouveau une parenthèse sur le fait qu'aujourd'hui l'association La Cloche, elle est présente sur la ville de Toulouse, mais l'idée c'est de pouvoir travailler avec d'autres associations, d'autres structures pour pouvoir développer ce qu'on appelle des franchises sociales, donc de travailler avec des structures qui souhaitent développer le projet du Carillon. Donc l'association La Cloche du coup Occitanie propose un accompagnement, une formation auprès de personnes, de structures qui souhaitent développer le Carillon dans leur ville. On a déjà eu des sollicitations sur la ville de Montauban, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours. Donc j'en parle là parce que c'est vrai que sur les actions de proximité, ça peut être aussi de pouvoir toucher des salariés qui sont peut-être aussi sur des sites sur toute l'Occitanie et Adopte un commerçant peut vraiment rentrer dans cette idée-là de se mobiliser pour le projet du Carillon. Voilà, et sur le mécénat, c'est de pouvoir contribuer, de pouvoir soutenir le changement de regard sur le monde de la rue et ça, voilà, en fonction aussi des souhaits et des envies. Ok. Et avant de terminer, je voulais juste prendre du coup 5 minutes pour vous parler de la campagne nationale qui s'est lancée le 23 novembre et qui continue jusqu'au 23 décembre, qui est une campagne nationale vraiment pour pouvoir mobiliser les citoyens, les citoyennes à l'échelle vraiment nationale sur le fait que le lien social, ça peut commencer par 5 minutes. Alors, l'idée, ce n'est pas de dire que ça suffit, 5 minutes, mais en tout cas, ça peut commencer par 5 minutes et que du coup, on a tous 5 minutes à un moment donné dans notre journée pour pouvoir déjà aller voir le site Tape à 5 minutes et découvrir un petit peu plus l'association La Cloche, mais aussi aller vers les personnes sans domicile de son quartier ou pouvoir agir avec son entreprise. C'est des choses qui sont possibles. Et si vous avez eu l'occasion de passer à la gare Matabio la semaine dernière, on a eu du coup justement une valorisation de mécénat sur des panneaux du coup pour la campagne Tape à 5 minutes. Voilà, et donc pour terminer, vous avez du coup mes coordonnées. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez me contacter pour avoir des compléments d'information, peut-être un rendez-vous. Je reste disponible. On est également donc présent sur les réseaux sociaux, donc à une échelle locale sur Facebook et sur Instagram, et de manière plus nationale avec LinkedIn et Twitter. Et ce que je n'ai pas mis, mais on a du coup aussi notre site internet www.lacloche.org, où vous pourrez retrouver notamment des différents petits supports aussi de première sensibilisation et d'information sur le monde de la rue.
Et sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver donc, le fameux casting Paul, que en tout cas, moi, je trouve toujours très, très percutant et très, très parlant. Mais on a, voilà, on a d'autres, d'autres vidéos qui présentent de manière plus, plus formelle l'association. Merci beaucoup. Je souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée à tout le monde. Je propose de clôturer là si vous en êtes d'accord. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil et merci pour votre participation et peut-être à bientôt.